Et donc, je vais laisser la parole à Nadia O'Brien du Centre de recherche du CHUM, Christelle Aluni Menifini de l'Hôpital Douglas, Samuel Turcotte de l'Université de Montréal et Shane Knight, père-chercheur. Donc, la parole est à vous. Donc, j'y vais, Nadia. Bon, ben, bonjour tout le monde. Bon midi, merci d'être là. La présentation aujourd'hui se nomme Pour un engagement patient divers et inclusif, comment rejoindre et collaborer avec des populations diversifiées. Donc, leçon tirée de la perspective d'un père-chercheur et de trois chercheurs postdocs de la stratégie de recherche axée sur le patient, des IRSC. Le plan de la rencontre là, pour le panel cet après-midi. Donc, on va commencer avec une brève introduction où on va en fait vous offrir certaines définitions. Donc, on parle de quoi? Qu'on parle d'engagement de patients, les enjeux d'équité, diversité et inclusion aussi, comment ils viennent se situer par rapport à ce type de recherche-là. Ensuite, à tour de rôle, on va vous partager vos expériences là. Nadia, moi et Christelle comme chercheurs postdoctoraux et Shane comme père-chercheur en recherche axée sur le patient. Puis suivra là, tour de table, là, panel de questions et questions là, de l'auditoire aussi là, en fin de rencontre. Donc, ben, merci d'être présent. Puis en guise d'introduction, moi, je voulais vous parler de terminologie. En fait, ce midi, on vient vous parler de l'engagement des patients en recherche, mais comment on nomme ces patients ou partenaires qui acceptent de collaborer avec nous en recherche? Vous l'avez vu tout à l'heure sur le panel, on a Shane qui a généreusement accepté de venir parler de son expérience comme père-chercheur, mais en bâtissant la présentation, en fait, on a privilégié le titre père-chercheur, mais je dois dire que c'est une décision qui est plutôt arbitraire. En fait, on aurait pu employer d'autres vocables comme patient-partenaire, père-usager, expert-usager, père-chercheur. Puis, ce que je veux illustrer ici, en fait, ce n'est pas nécessairement l'absence de consensus sur la terminologie, bien que ce soit un enjeu en soi. C'est plutôt le fait qu'il existe mille et une façons de nommer, en fait, là, les personnes qui s'engagent comme partenaires, et que ce qui compte, ce n'est pas le vocable utilisé, mais c'est plutôt la qualité du partenariat et le degré d'engagement dans les collaborations. Donc, prochaine diapositive, s'il vous plaît. Puis, si je continue à jouer avec les mots, on pourrait se poser la question à savoir quels sont les types de devis ou de postures de recherche où l'engagement des patients est fréquemment observé. Puis, j'ai dressé ici une liste très brève de buzzwords ou de devis de recherche là, qui suggèrent, du moins, qui font écho à l'engagement des patients. Donc, on voit recherche action, co-développement, co-création, recherche participative, co-construction, etc., etc. Mais ici, c'est exactement le même message qu'à la diapositive précédente. C'est-à-dire que ce n'est pas le vocable utilisé qui fait foi de tout, mais plutôt la qualité du partenariat et le degré d'engagement dans les collaborations. En fait, on pourrait avoir deux projets de recherche qui font du co-design, mais où les patients partenaires sont engagés à des degrés qui sont diamétralement opposés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. On voulait vous donner quelques définitions pour que vous puissiez avoir des repères. En fait, les IRSC ont ce qu'ils appellent la stratégie de recherche axée sur le patient, dont la visée est la réalisation d'une collaboration active entre patients, chercheurs, fournisseurs de soins de santé et décideurs en vue d'établir des soins de santé durables, accessibles et équitables, mais aussi, bien évidemment, de provoquer des changements positifs sur la santé des Canadiens. Pour les IRSC, l'engagement des patients en recherche se fait au sein d'un continuum scientifique qu'on nomme la recherche axée sur le patient, puis qui a pour but de mobiliser les patients, les soignants, les familles, à titre de partenaires dans les processus de recherche. Puis cet engagement-là, en fait, il aide à garantir que les études qui sont réalisées, bien, sont axées sur les priorités établies par les patients, ce qui va déboucher ultimement sur des meilleurs résultats pour ces derniers. Ensuite, pour les IRSC, le terme patient englobe toutes les personnes vivant avec un problème de santé, ainsi que les soignants, y compris les amis et la famille. Puis qu'on parle d'engagement des patients, ça peut se résumer en fait à une collaboration significative et active à la gouvernance, à l'établissement de priorités, mais aussi à la réalisation d'une recherche là, et à l'application des connaissances. Prochaine diapo.
Ici, en fait, là, je vous présente très, très brièvement là, le modèle de Montréal, là, qui est un modèle qui présente en fait la transformation et l'évolution du rôle de patient. C'est un modèle qui s'applique aux soins de santé, mais aussi à la recherche. Donc, on voit au début que, au début du continuum, qu'on adopte une approche davantage paternaliste, où les patients sont des récepteurs passifs de soins, puis oui, ils n'ont pas de contribution au processus de décision. Ensuite, au centre, on tombe dans une approche qui est centrée sur ces patients. Donc, ça, c'est une approche où les attentes et besoins sont considérés, puis où il y a une certaine influence là, dans les processus de prise de décision qui les concernent, pour ultimement arriver à une recherche partenariale, donc où on génère des partenariats entre patients, chercheurs, professionnels. Et à ce stade-là, finalement, on s'appuie sur la reconnaissance des savoirs expérientiels du patient et des savoirs scientifiques pour aiguiller la prise de décision. Ce qu'on reconnaît, en fait, à ce stade-là, c'est la complémentarité des expertises, mais aussi leur interdépendance. Donc, le type de recherche qu'on se fait se situe vraiment à ce troisième degré-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ici, je vous parle, en fait, c'est juste une autre façon de se représenter là, l'engagement du patient. En fait, c'est l'International Association for Public Participation qui ont développé un continuum de la participation publique pour aider les groupes de travail à définir justement le rôle du public dans tous les processus où ce dit public est engagé. Puis on comprendra ici que le public peut être représenté par les patients impliqués en recherche ou leurs proches. Ce modèle-là, il repose sur la prémisse selon laquelle la participation du public favorise des décisions qui sont durables, pérennes et porteuses. Puis comme l'illustre clairement ce continuum, plus on rend actif et engagé les partenaires, plus ces derniers ont l'opportunité d'avoir des retombées sur les prises de décision. Donc voilà, c'était le tour de piste rapide là, sur l'engagement des patients. Puis je passe maintenant la parole à ma collègue Nadia qui va vous parler des enjeux d'équité, diversité et inclusion. Voilà. Merci Sam pour les mots d'introduction sur l'engagement patient. Je vais poursuivre avec quelques mots d'introduction en fait sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Et ah pardon, je suis en train de naviguer plusieurs technologies. Alors, l'équité, diversité, inclusion, c'est quand même des termes de plus en plus communs, je dirais, dans notre milieu. On retrouve ces principes dans les documents émis par les plans d'action de l'Université de Montréal. Alors, et aussi même dans les documents émis par nos bailleurs de fonds, comme les IRSC, et même aussi dans les documents qu'on doit fournir pour les dossiers de candidature pour les postes de prof. Mais dans le contexte d'engagement patient, je pense qu'on a trois grandes motivations pour être particulièrement concerné par des questions d'équité, de diversité et d'inclusion. Alors, premièrement, les inégalités en santé persistent au Canada. Les populations dites marginalisées, que ce soit les populations autochtones, minorités sexuelles, les immigrants, ceux à bas statut socio-économique, sont affectés de manière disproportionnée par de nombreuses maladies. Deuxièmement, on observe aussi un phénomène nommé « inverse care law » qui indique que malgré les soins de santé universels, que les gens qui ont le plus besoin de soins de santé ont plus difficilement accès. Alors, en fait, l'inverse de ce qu'on voudrait. Il y a aussi, troisièmement, une préoccupation grandissante que l'engagement patient manque souvent de diversité. Ceux impliqués sont souvent les patients les plus facilement intégrés dans les institutions, dans les équipes de recherche, et donc souvent des populations plus éduquées ou plus privilégiées d'une manière ou d'une autre. Et le réel problème avec ça, c'est que cela pourrait en fait augmenter les inégalités de santé. Alors, je m'explique. Si l'engagement patient est censé améliorer les soins de service, mais que les améliorations sont créées à l'image de populations plus privilégiées, cela risque d'augmenter les inéquités. C'est ce qui est représenté ici par Frolic et Potvin. Alors, au lieu d'améliorer, disons, l'espérance de vie pour tous, les populations les plus privilégiées bénéficient d'un nouveau médicament ou d'un nouveau service, tandis que les populations plus marginalisées n'ont toujours pas accès aux services ou aux soins et ont la plus grande concentration de risques. Mais ce n'est pas seulement une question d'amélioration de services, mais aussi de droits. Alors, toutes les populations devraient avoir le droit d'autodétermination, d'avoir leur vécu, leur expérience, leurs priorités,
compter dans les politiques publiques qui leur concernent. Ces droits d'autodétermination s'expriment en toute simplicité avec le slogan « Rien sur nous, sans nous ». Mais avant d'aller plus loin, quelques définitions pour démêler les différences entre les trois termes équité, diversité, inclusion. En bref, équité, c'est redresser les obstacles systémiques pour que tous aient les mêmes opportunités. Diversité, c'est plutôt la différence, la présence de différences à l'intérieur d'un groupe, que cela soit des différences d'âge, de race, de genre, de religion, d'orientation sexuelle, etc. Et l'inclusion, c'est plutôt dans l'action, dans la pratique. Est-ce que les gens issus de toutes ces diversités ont la possibilité d'être entendus, respectés, de s'épanouir à l'intérieur d'un certain milieu? Pour distinguer diversité et inclusion, j'aime bien la citation suivante de Verne Myers. Diversity is being invited to the party. Inclusion is being asked to dance. Et bien sûr, dans toute discussion de diversité, c'est aussi important de nommer et reconnaître cette notion d'intersectionnalité, un terme inventé par Kimberly Crenshaw, pour reconnaître que souvent les oppressions convergent et s'accumulent. Ici, je vous invite aussi à reconnaître votre propre positionnement, sûrement complexe, sur ces multiples axes de privilèges et d'oppression et comment cela influence votre façon d'être au monde, de naviguer les structures sociales. Alors, à ce stade, vous êtes peut-être vendu sur l'importance d'incorporer une perspective EDI dans votre travail d'engagement patient, mais incertain sur comment s'y prendre. Alors, voici quelques références. Heureusement, nous ne sommes pas les premiers à réfléchir à l'importance de la diversité dans l'engagement patient. C'est aussi peut-être un bon petit moment pour une capture d'écran. Vive les webinaires! Dans les 20 prochaines minutes aussi, nous allons vous présenter 4 récits différents de nos expériences en recherche avec diverses populations pour nourrir vos réflexions. Alors, comme premier exemple, je vais tirer de mon expérience avec l'étude CHIWOS, dans laquelle j'ai été impliquée depuis 2011, en tant que coordinatrice de recherche, puis étudiante au doctorat et maintenant comme co-investigateur. L'étude CHIWOS est ancrée dans les principes de recherche participative. Alors ici, 40 femmes vivant avec le VIH ont été impliquées à chaque étape de l'étude, de l'écriture du protocole à la création et l'administration du questionnaire et l'interprétation des données et le transfert de connaissances. Mais en 2011, lorsque nous avons commencé la plus grande phase de l'étude, le jargon EDI n'était pas dans notre vocabulaire. Mais c'était clair que nous devons recruter une diversité de femmes vivant avec le VIH. Si notre recherche souhaitait être informée et renforcée par le savoir expérientiel des femmes vivant avec le VIH, de façon très pragmatique, il était essentiel que les pairs dans l'étude reflètent la diversité de population vivant avec le VIH. Alors, nous avons pris quelques décisions clés. D'abord, nous avons décidé d'embaucher plusieurs femmes par province et non seulement une ou deux représentantes. Deuxièmement, nous avons communiqué explicitement les critères de diversité dans l'offre d'emploi et auprès de nos collaborateurs qui allaient nous aider à recruter. Notre but était d'embaucher des femmes de différentes ethnicités afin de refléter la représentation disproportionnée des femmes autochtones et noires atteintes par le VIH au Canada. De différents âges aussi, car le besoin de santé reproductive et sexuelle change avec le temps. De recruter aussi des femmes cisgenres et des femmes transgenres, des femmes francophones en Ontario, des femmes anglophones au Québec, et aussi des femmes avec beaucoup et aucune expérience de recherche. On ne voulait pas simplement avoir « the usual players » à l'intérieur de notre étude. Et dans l'ensemble, pas toujours parfaitement, mais dans l'ensemble, nous avons réussi à former une équipe diverse de pairs chercheurs à travers le Canada. Et pour ce qui est de l'inclusion, alors dans mon introduction sur l'EDI,
J'ai partagé avec vous la citation « Diversity is being asked to the party, inclusion is being asked to the dance », ce qui est utile pour distinguer la diversité de l'inclusion. Mais la citation de Mme Myers a suscité des échanges en ligne mettant en question si une simple invitation est vraiment ce que l'on entend par « inclusion ». Et effectivement, dans l'engagement patient, l'idée d'être invité à danser ne suffit pas tout à fait. Ce que nous visons ici, c'est que les patients et les communautés planifient la fête, qu'ils choisissent la musique et qu'ils décident si ça leur tente de danser. Cette co-conception de la recherche n'est pas toujours facile, mais dans cette sous-étude She Will Spa que je vous présente ici, axée sur les femmes autochtones, je pense que nous avons bien fait les choses dans la mesure où deux intervenantes autochtones, alors Carrie Martin et Doris Pelletier, ici sur la diapo, ont dirigé la prise de décision. Elles ont déterminé la méthodologie de la recherche, la fréquence de la collecte des données, l'importance d'intégrer l'enseignement, l'art, la cérémonie dans le processus de la recherche, afin d'assurer le confort et la sécurité des participants, mais aussi le contrôle et l'interprétation des données. C'est aussi un bon moment pour un rappel à tous qu'un engagement patient diversifié et inclusif est facilité et renforcé par un milieu universitaire diversifié et inclusif. Et nous avons encore beaucoup de travail à faire pour que les femmes, les communautés LGBTQ+, et en particulier les communautés autochtones et les personnes racisées au Canada, puissent atteindre les plus hauts rangs universitaires. Et tel que démontré aujourd'hui par notre panel d'invités, que j'ai aidé à mettre en place d'ailleurs, qu'il y a une certaine diversité, mais non une diversité ethno-raciale, ce qui indique quand même la persistance du problème. Sur ça, j'espère que ce premier cas a lancé vos réflexions sur l'EDI et l'engagement patient. Je vais maintenant repasser la parole à Samuel. Merci Nadia. Comme on l'a dit au début, moi je m'appelle Samuel Turcotte, puis je suis chercheur postdoctoral au Centre de recherche de l'Institut universitaire de géographie de Montréal et je suis affilié également à l'Université de Montréal. Je fais mes travaux de postdoctorat sous la supervision de Joanne Filiatro, de Nathalie Bière et de Annie Leblanc. Prochaine diapositive. Donc, je vais vous parler là, plus spécifiquement ce midi d'un des projets de recherche là, d'envergure dans lequel je suis impliqué dans le cadre de mon postdoctorat à l'Université de Montréal. Le projet s'intitule « Un laboratoire vivant pour briser l'isolement social des aînés, le cadre du quartier innovant pour les aînés de Côte-des-Neiges ». Prochaine diapo, s'il vous plaît, Nadia. Ce que le projet, en fait, vise, c'est de déterminer les besoins spécifiques non seulement des aînés, mais également de la communauté du quartier Côte-des-Neiges à Montréal pour soutenir trois choses, la mobilité, la cognition et la communication, et tout ça dans le but de réduire l'isolement social des aînés. Plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on va faire à travers ce projet-là? C'est de construire un réseau étroit établi entre les organismes du quartier, les milieux de la recherche, les aînés et leurs proches. Ensuite, on va identifier, à partir de consultations, d'échanges et de différents moyens consultatifs, les besoins spécifiques du milieu pour diminuer l'isolement social des aînés du quartier. Et on va ensuite, et ça c'est un gros morceau également du projet, travailler à co-développer, co-construire ou co-designer, là, utiliser le mot que vous voulez, des initiatives pilotes ou des innovations pilotes pour chacun des trois volets principaux. C'est donc dire qu'il va y avoir des innovations qui vont être créées dans le quartier qui touchent la mobilité des aînés, des innovations qui touchent la cognition et des innovations qui touchent la communication. Et ces innovations-là, en adressant ces trois éléments-là ou trois volets-là, visent à briser l'isolement social. Ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir un processus d'évaluation de ces innovations-là. Et ensuite, on va également documenter les obstacles et facilitateurs à leur implantation. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ça le dit dans le titre du projet, là, ce processus de recherche-là visant la co-création d'innovations pour briser l'isolement des aînés, il se fait dans le cadre d'un laboratoire vivant. C'est quoi un laboratoire vivant? En fait, il existe plusieurs façons de le concevoir, mais dans le cadre de ce projet de recherche-là, un laboratoire vivant, c'est un écosystème d'innovation centré sur les usagers, qui est basé sur une approche de co-création et qui mobilise des processus de recherche et de développement d'innovation. Plus particulièrement, il y a une petite animation, Nadia, si tu veux bien.
C'est particulièrement pertinent, les laboratoires vivants, là, quand on a envie d'impliquer de façon continue et importante les usagers dans le développement des connaissances, qu'on a envie de tester les innovations en contexte réel, donc in vivo, et qu'on vise le développement de nouveaux produits, services ou innovations. Puis comme vous voyez dans le petit bécher à droite, donc vous avez les réseaux de partenaires là, qui comprend le quartier, les aînés, les équipes de recherche, les entreprises, etc., qui collaborent ensemble pour générer des innovations. Donc, ça donne une belle image de représentation. Et j'en profite pour remercier Roxane de Boulauduc qui est là pour le partage généreux là, des images. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Voici comment notre laboratoire vivant s'organise. Puis, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail, c'est bien certain, mais à droite, en rose, ce que vous voyez, en fait, là, c'est tous les collaborateurs du quartier Cour des Neiges, donc les organismes, les entreprises privées, les aînés, les élus municipaux. À gauche, vous voyez également les trois volets principaux du projet, donc communication, cognition et mobilité, qui permettent d'adresser finalement l'isolement social à partir des facteurs de risque. Il y a une équipe de recherche avec des expertises complémentaires dans chacun de ces volets. Puis ensuite, ce que vous voyez également, c'est les bulles roses, celles qui représentent le quartier Côte des Neiges, ils sont imbriqués dans chacun de ces trois volets-là. Donc, les équipes scientifiques dans le développement des innovations, ils collaborent étroitement avec le quartier Côte des Neiges, afin de s'assurer que les innovations qui vont être développées y répondent aux réels besoins du quartier dans sa globalité. Puis je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre comment se déroule cette co-création d'innovation. Je vais aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour accomplir en fait nos ambitions dans le quartier innovant, on utilise la méthode de recherche-action. C'est une méthode qui fait partie de la grande famille des recherches participatives. Puis, ce type de recherche-là, bien, il préconise l'implication des groupes concernés à toutes les étapes de la démarche scientifique. Fait que si plus concrètement, on prend l'exemple du volet mobilité dans le laboratoire vivant, bien, suite à des consultations et échanges avec les milieux communautaires, des aînés du quartier, il a été relevé qu'en raison de la pandémie, les programmes de prévention des chutes ne pouvaient plus être offerts par les organismes communautaires, ce qui risquait de contribuer à l'isolement social des aînés. Ce qui a été proposé suite à d'autres échanges, notamment avec des cliniciens, des chercheurs, mais encore des partenaires du communautaire et des aînés, c'était d'offrir un programme de téléprévention des chutes à distance, donc un programme offert en ligne. Donc là, maintenant que la direction de l'innovation à créer était claire, il fallait travailler à son design. Donc, ce qui a été prévu pour le co-design, c'est la tenue de 4 à 5 ateliers là, où la forme et le contenu de ce programme de téléprévention des chutes allaient prendre. Dans ces ateliers, les partenaires ils vont être assis ensemble finalement, là, puis ils vont faire différentes activités de co-création qui vont permettre justement de développer l'innovation à partir de leurs besoins et réalités respectives. Puis une fois qu'on va avoir ce prototype, un premier prototype, une forme préliminaire donc du programme de téléprévention des chutes, bien, on va pouvoir aller le tester en milieu réel et faire son évaluation pour ensuite retourner en co-design et bonifier le prototype. Donc, vous voyez l'élément cyclique là, en milieu de processus. Et puis, ben, ce cycle-là, finalement, on le fait jusqu'à satisfaction ou jusqu'à épuisement des fonds ou des ressources de temps, bien évidemment. Puis, ce qui est prévu dans le cadre de ce projet-là spécifique pour le test en milieu réel, ben, ça va être d'aller tester nos prototypes, en fait, là, dans 2 HLM du quartier. Donc, vous aurez compris que les aînés résidents de ces 2 HLM-là seront également impliqués à toutes les étapes du processus de co-création d'innovation. Puis, à ce stade-ci, bien, ça fait déjà un lien avec ce que Nadia parlait en termes d'équité, diversité et inclusion. Souvent, dans les recherches en santé, du moins de l'expérience que j'ai jusqu'à présent, qui est quand même brève, on a beaucoup des aînés champions, d'anciens professeurs, d'anciens professionnels de recherche qui s'impliquent dans le co-design. Mais dans le souci de développer, en fait, des services qui respectent un besoin diversifié au niveau du statut socio-économique, bien, on trouvait ça intéressant d'impliquer des en fait, des HLM dans les processus de co-design de notre innovation. Donc, ça fait le tour, mais chaque volet, dans le fond, génère des innovations selon différentes thématiques en respectant ce processus-là. Donc, merci. Puis, je passe la parole à Christelle. Merci, Samuel. Merci, Nadia. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Christelle Alini-Mikini. Je suis chercheure postdoctorale en psychiatrie à McGill et l'Institut universitaire en santé mentale du Douglas. Tu peux changer la diapositive, s'il te plaît. En fait, je vais juste parler rapidement de mes intérêts de recherche qui sont assez différents, en fait, de mes collègues. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement aux problèmes complexes de toxicomanie. Donc, les problèmes qui vont être en concomitance avec la toxicomanie, donc, par exemple, des problèmes sociaux, judiciaires, d'itinérance, etc., les services qui sont offerts à ces personnes, mais aussi l'utilisation de ces services et les approches de collaboration. Donc, comment on peut faire que tous ces services-là travaillent bien ensemble?
Donc, tu peux passer à la prochaine diapositive. Donc, aujourd'hui, moi, je vais aller un peu plus technique ou franche, là, je pourrais dire. Donc, comment rejoindre ou intégrer dès le départ les pairs chercheurs? Donc, qui rejoindre peut-être? Il y a deux courants de pensée, dont la nouvelle qui, le DI, qui est assez, qui va rejoindre plutôt celle que moi, je vais adopter aussi. Donc, il y a vraiment des personnes qui vont prendre la personne où elle est à ce moment-là et un autre courant de pensée qui va plus vouloir aller vers des personnes qui ont déjà des compétences, qui vont pouvoir être intégrées et déjà être performantes, on pourrait dire, au sein des recherches. Donc, pour moi, j'adhère plus à la première, donc prendre les personnes où elles sont. Donc, on va utiliser habituellement les mêmes moyens traditionnels de recrutement. Par exemple, moi, j'aime bien les organismes par et pour. Je vais souvent aller vers cette méthode de recrutement-là. Puis, je vais vous expliquer la prochaine diapo, en fait, que quand on prend la personne qui, comme elle est à ce moment-là, bien, on peut... il faut réfléchir, en fait, à comment l'intégrer, puis à différentes opportunités et façons de l'intégrer. Donc, par exemple, dans mon doctorat et dans mon post-doctorat, j'ai intégré des personnes avec un savoir expérientiel dans un comité d'orientation. J'ai intégré des personnes aussi au sein d'approches de collaboration où des professionnels de différents secteurs étaient présents. Puis, j'ai vécu plusieurs défis, donc mon post-doctorat s'intéresse particulièrement à ça, en fait. J'ai été agent de liaison avec un pair chercheur, notamment Shane, que vous allez rencontrer juste après. Donc, c'était vraiment de le voir en dehors des grosses rencontres d'équipes de recherche pour travailler ensemble sur des petits mandats, mais aussi préparer dans les grosses rencontres pour pas qu'il soit non plus perdu avec nos rencontres habituelles de co-chercheurs. J'ai co-construit et co-animé un panel à Basse-Seuil pour des jeunes en situation de précarité sociale. Donc, c'était une façon, en fait, qu'on voulait intégrer les personnes les plus vulnérables qui habituellement sont peu rejointes dans le concept de patient partenaire ou par chercheur. Donc, on a vraiment bâti un panel qui se réunissait à chaque deux semaines à la même heure. Ils n'étaient pas obligés de venir à chaque rencontre. Ils pouvaient venir s'ils avaient consommé, si ça nuisait pas à leur participation, puis on a même mis ensemble des balises de fonctionnement pour comme qui, quand est-ce qu'ils peuvent venir ou s'ils ne sont pas à l'aise ou quels comportements qui sont acceptables ou pas. Donc ça permettait de faire un lien, donc on faisait des liens plus adaptés de ce qu'on entendait en haut, donc des chercheurs principaux, on traduisait pour ces personnes-là, on revenait avec leur avis, on allait en haut et même on allait vers l'acquisition de compétences pour que ces personnes-là éventuellement soient capables de s'auto-représenter dans le gros comité de chercheurs. Dernièrement aussi, j'ai co-rédigé deux articles aussi avec des personnes avec des savoirs expérientiels, dont Shane aussi. Donc, une particularité de mon domaine, mais maintenant c'est élargi un peu, donc mon domaine est en plus santé mentale, dépendance, c'est qu'on va rentrer la notion de rétablissement ou développement de compétences dans cette approche de patient partenaire. Donc, on voit les deux côtés de la médaille, ce que la personne peut nous emmener, nous, dans nos recherches, mais aussi comment nous, on peut aider la personne à développer certaines compétences, comment on peut améliorer ses conditions de vie à travers son intégration dans la recherche. Donc, pour nous, moi, en tout cas, c'est très important. Donc, tu peux changer de diapositive, je vais aller vite. Donc, pour moi, les essentiels, en fait, c'est vraiment de bien connaître les personnes ciblées par notre recherche, tant ses forces et limites, reconnaître le savoir des personnes avec un vécu, donc reconnaître le savoir expérientiel. Puis une fois qu'on sait tout ça, en fait, c'est d'adapter nos façons de les intégrer dans nos projets pour vraiment faire pallier à leurs limites ou en tout cas essayer de reconnaître leurs compétences qu'ils ont déjà, les utiliser à leur meilleur en fait, et aussi d'essayer de développer d'autres compétences pour pallier à leurs difficultés. Aussi, ce qui est important, c'est vraiment d'accompagner la personne dans différentes étapes du processus de recherche et même dans l'ensemble en fait, d'offrir du soutien sur différentes sphères de sa vie et continuer à apprendre et améliorer nos façons de faire. Donc, moi, j'ai vécu des défis. J'ai appris de ça et je pense que c'est important de continuer à essayer de s'améliorer, même si des fois, on fait des petites erreurs ici et là. Donc, tu peux changer de diapositive. Je vais
juste vous introduire Shane, en fait, qui a été par chercheur sur mon projet de doctorat et sur d'autres projets avec moi. Donc, Shane, tu peux y aller. Merci, Christelle. Bonjour. Je vais juste ouvrir un document avant de vous parler. Bon, oui, comme Christelle l'a dit, j'ai participé avec elle. Dans le fond, je m'appelle Shane, j'ai 36 ans. J'ai collaboré en tant que patient partenaire dans son doctorat. J'ai aussi 20 années d'expérience comme utilisateur des services sociaux communautaires et j'étais une personne en situation de grande précarité sociale, dont j'étais sur l'assistance sociale. Je dormais dans des refuges, je consommais de l'alcool et plusieurs substances psychoactives. Je vivais avec la dépression, l'alcoolisme, la toxicomanie. J'avais de l'anxiété grave et un grand trouble social. Ça, c'est pour expliquer qui j'étais quand j'ai participé au projet. Les raisons pourquoi je me suis impliqué avec Christelle, c'est que dans le passé, on a travaillé ensemble sur d'autres projets qui impliquaient des patients partenaires et j'ai beaucoup apprécié travailler avec Christelle. J'avais du respect, elle avait une bonne approche de travail avec moi et on a bien collaboré à travers cette expérience. Fait que j'ai tout de suite dit oui pour reparticiper avec elle à nouveau. J'avais beaucoup aimé aussi le fait que je pouvais partager mes expériences dans un cadre de recherche. L'équipe m'a traité encore avec du respect ses autres collègues. Puis, ils ont aussi vu la valeur que je pouvais rajouter dans le cadre de ce travail. J'espérais que ça soit positif, comme la première avait été, et que je prendrais encore goût de refaire d'autres démarches comme celle-ci. Je voulais aussi pouvoir améliorer les services et montrer la pertinence d'impliquer des personnes avec un savoir expérientiel dans les démarches et toutes les démarches d'un procédé scientifique dans le but d'améliorer ces services. Je voulais acquérir plus d'expérience, de compétences, connaissances à travers cette démarche pour pouvoir encore mieux dans le futur contribuer dans des initiatives de recherche. Je voulais aussi qu'on me prenne au sérieux, qu'on me fasse confiance et qu'on me donne plus de responsabilités. Dans les tâches que j'ai pu avoir, j'ai participé dans l'activité de triage, au comité d'orientation et la co-rédaction d'un article. J'ai participé à des discussions avec des acteurs clés pour prioriser des pistes de solutions. J'ai parlé de mon vécu et mes expériences en utilisant ces services pour le doctorat de Christelle. J'ai pris connaissance des analyses et donné mon feedback. J'ai alimenté les réflexions pour les prochaines étapes et j'ai identifié des solutions possibles pour son doctorat. Dans la co-rédaction d'un article, j'ai fait la lecture de l'ensemble des versions de l'article, commenté, partagé par écrit mes expériences à travers mes participations sur son article. Puis, qu'est-ce que ça m'a apporté, tout ça? J'ai appris qu'il était possible d'impliquer une personne avec un vécu expérientiel dans une telle démarche, comme activité avec plusieurs acteurs clés, échanger, puis que c'était possible, mais aussi faisable de le faire. Grâce à cette démarche et d'autres qui ont précédé, j'ai pu améliorer mes habiletés sociales. J'ai réussi à être plus à l'aise de m'exprimer devant un public. Réussi à surmonter mon anxiété sociale et ma peur de l'échec. J'ai renforcé mes liens avec des personnes dans ma vie de tous les jours, mais aussi créé des liens importants avec des personnes du milieu de la recherche. Cela m'a aussi permis d'améliorer et de développer des nouvelles habiletés de travail, comme avoir une bonne préparation. Je suis capable de faire plus en moins de temps. Je peux participer à toutes les parties d'une recherche et les comprendre. Je suis capable de créer des outils, remplir des fiches et créer des documents pour expliquer mes pensées et opinions.
ça m'a aussi donné la chance de participer à plusieurs formations pour mieux répondre à ce qui est demandé d'un patient partenaire, pour mieux relever les présents et futurs défis qu'un partenaire comme moi devrait faire face dans ses participations. Je peux maintenant expliquer et partager mes connaissances avec les autres patients partenaires qui sont intéressés à s'impliquer au niveau de la recherche, qui arrivent sur une base régulière. Aussi, toutes ces expériences m'ont mené vers un titre de pair chercheur, comme on a parlé au début, il y a plusieurs titres, mais le titre que moi je préfère le plus, c'est pair chercheur dans plusieurs projets. Je siège aussi avec Christelle sur le comité des patients partenaires de l'Université de Sherbrooke. Et j'ai récemment été engagé par l'université comme membre du personnel dans le cadre d'une recherche. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez intégrer un patient partenaire, mais qui peut aussi avoir des impacts sur la personne et aussi ce que la personne peut accomplir et faire dans le futur. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi Christelle et tout le monde du panel. Merci, Shane, pour ton partage. À ce stade-ci, on vous inviterait à ouvrir vos caméras et micros, lever la main là, pour nous poser vos questions. On voulait vous laisser la parole là, d'emblée, sinon nous, on avait des questions ou des thématiques qu'on était intéressés à adresser, mais on préférait vous laisser le champ libre d'abord. Je ne sais pas, Mélanie, si tu veux gérer les questions. Je pense que c'est plus pratique de lever la main parce que là, puis on pourra ensuite ouvrir le micro, mais si vous avez une question ou la poser dans le chat, si vous êtes plus à l'aise aussi, c'est une autre option. Mais je vois qu'il y a eu quand même des conversations. Il y avait une question qu'on peut peut-être répondre plus à l'oral parce que je ne suis pas sûre que le chat va apparaître pour les personnes qui veulent l'écouter en différé. Donc, on parlait d'inclure des personnes en situation de précarité sociale au sein des projets de recherche. Je ne sais pas si vous aviez des détails à ajouter là-dessus. Peut-être je peux juste commencer là, rapidement. En fait, ce que j'ai répondu, c'est que je pense que oui, on peut, mais qu'il faut aussi savoir qu'il faut vraiment avoir un accompagnement assez personnalisé pour inclure des personnes qui sont plus vulnérables ou en précarité sociale, puis vraiment adapter nos façons de faire. Tu sais, on ne peut pas nécessairement, ou en tout cas, ça terminera peut-être pas avec un succès si on l'invite tout d'abord dans une grosse... rencontre co-chercheurs super intellectuels de 3 heures, c'est peut-être pas gagnant. Donc, vraiment d'adapter nos façons de faire et tranquillement amener cette personne à être à l'aise à faire ce type de tâche. Donc, je pense que oui. Je rajouterais à ça, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire pour faire le lien avec ce que Nadia parlait au début en matière d'équité, diversité, inclusion. Diversité sexuelle, diversité de genre, diversité ethno-raciale, mais diversité également au niveau de statut socio-économique. Donc, sous cette optique-là, non seulement c'est possible, mais ça doit être fait. J'ajouterais juste un petit mot vraiment pratico-pratique, c'est que toutes ces approches-là qui sont nécessaires demandent des ressources. C'est demandent des ressources financières pour compenser les gens, pour leur permettre d'être là. Une compensation diverse aussi. Alors, écoute, gardiennage, transport et tout ça. Matériel aussi, de ne pas prendre pour acquis que les gens ont le matériel pour travailler. Mais aussi des ressources de temps, de personnel. T'sais, d'accompagner les gens, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on fait sur le coin de la table. C'est un rôle, c'est une capacité. Il faut vraiment être, je ne sais pas s'il faut être formé là-dedans, mais il faut avoir quand même des capacités pour bien accompagner. Puis il faut que quelqu'un soit payé pour son temps pour faire ça. Alors, je pense qu'il y a une question de ressources aussi pour permettre que ça soit possible. Merci, je pense qu'il y avait une question du côté de... Ah, ben, parfait. Oui, bonjour tout le monde et bonjour à toutes les personnes que je connais. Ça fait plaisir de voir tant de visages familiers. Donc, peut-être
une question aux collègues chercheurs, une question aux collègues patients partenaires, Monsieur Knight. Donc, aux collègues chercheurs, est-ce que vos expériences vous ont amené à reconsidérer vos postures, votre rôle de chercheur et chercheuse? Si oui, comment? Et à Monsieur Knight, si ça a changé votre vision de ce que c'est qu'un chercheur ou une chercheuse d'avoir cette expérience en tant que père chercheur ou patient partenaire? Si je peux répondre avant, je te dirais que je suis un petit peu astigmatisé avant de participer à la recherche, vu les lacunes au niveau des services pour les personnes en précarité sociale. Donc, c'est sûr que j'avais un grand œil ouvert et l'oreille ouverte pour être sûr que quand on m'avait approché, que je le faisais pour les bonnes raisons, puis que aussi les personnes qui m'avaient approché, c'était pour les bonnes raisons aussi, puis que je n'étais pas juste, comme on dit en anglais, un guinea pig. Donc, la manière qu'on m'a approché, c'était très bien parce qu'on voulait m'inclure dans le processus, puis pas juste m'avoir comme personne sur le côté, dans un coin, puis tu sais que... Dans le fond, on me pose des questions ici puis par là, mais dans le fond, je n'ai pas vraiment de présence dans cette participation-là. Merci. Si je peux répondre rapidement, peut-être. Pour moi, au départ, j'étais assez... je viens d'un domaine complètement différent avant la maîtrise. Donc, j'étais assez novice dans le domaine. Puis, j'ai un peu intégré parce que c'était un peu valorisé dans mon programme, etc. À force d'intégrer, j'ai vu vraiment les valeurs ajoutées de le faire. Mais aussi les limites auxquelles on faisait face, c'est notamment au niveau financier. J'ai pas pu accompagner comme je pouvais les personnes que j'intégrais. Donc, j'essaie d'aller vers d'autres stratégies ou d'essayer d'innover pour mieux intégrer une fois que j'allais avoir les ressources pour le faire. Donc, c'est sûr que ça a changé complètement ma posture, je pense, à travers les années, de l'expérimenter puis de vraiment voir la valeur ajoutée. Je pense que c'est là qu'on est le plus convaincu, en fait. Et quand on voit qu'on fait des changements dans la vie des personnes encore plus. Donc voilà. Si je poursuis pour répondre un peu à la même question sur le changement de posture, moi, mon changement de posture, la prise de conscience, en fait, que j'ai, en fait, même en ce moment, là, depuis quelques semaines, c'est que je me rends compte que mon expertise, elle est vraiment sur le plan scientifique, au niveau méthodologique. Oui, je fais de la recherche sur une thématique qui est l'inclusion sociale. Tu sais, oui, je connais les définitions théoriques, mais je ne le vis pas. Fait que c'est vraiment de prendre conscience de façon importante que mon expertise, elle est scientifique, méthodologique, mais pas expérientiel, puis de ne pas faire d'inférence non plus à ce niveau-là en disant « oui, mais tu sais, c'est ça qui arrive quand on est isolé socialement, ou c'est ça qui arrive quand on est une personne âgée que parce que je l'ai lu. » Non, je ne le vis pas, je le lis seulement. Donc, c'est d'être très humble là, par rapport à ça. Merci pour la question, Karim. Merci d'être là. Je ne sais pas si ça a changé ma posture, mais un apprentissage, c'était que si l'intégration de pairs chercheurs dans la recherche pouvait renforcer la recherche, ce que j'ai vu aussi à travers les années travailler avec Chiwos, en fait, c'est ce qui a mené à mon postdoc avec Dr. Antoine Boisvert à l'intérieur de la chaire sur le partenariat, c'est qu'il y a tellement une richesse dans l'intervention. Tu sais, c'était pour la recherche, mais il y avait comme une intervention à l'intérieur de la recherche participative qui se passait, les interactions entre pairs, les interactions entre les pairs et les participantes. Puis que ça aussi, je pense que ça a un rôle dans le système de santé. Alors, les pairs comme soignants et non seulement comme pairs-chercheurs. Alors, je pense que ça a été un de mes constats. Bien, merci des réponses. Moi, j'aurais une question personnelle aussi. C'est quand on parlait au début de recruter des personnes pour prendre ce rôle-là au sein d'une communauté avec laquelle on veut collaborer, je me demandais à quel point c'est possible de juste solliciter comme ça si on ne fait pas partie de la communauté qu'on veut étudier, comme par exemple quand on va solliciter des aînés puis qu'on n'est pas un aîné, ou on va solliciter des personnes issues d'une communauté ethnoculturelle dont on ne fait pas partie. C'est quoi les enjeux? À quel
point il faut s'intégrer dans la communauté avant d'entamer ces étapes-là. Ça, je ne sais pas s'il y a des détails par rapport à ça, juste pour s'assurer en fait qu'on a vraiment un lien. Je peux commencer. Je pense que c'est vraiment de créer des liens de confiance. Puis des liens de confiance, c'est difficile, ça comme start from scratch. Tu sais, je pense que qu'est-ce qui a fonctionné dans mes expériences, c'est vraiment d'y aller avec un lien de confiance qui existe déjà à travers peut-être un autre collègue ou un autre ami même, ou tu sais, de commencer vraiment de rien, c'est très difficile et peut-être pas très positif non plus. Je pense qu'il y a peut-être des étudiants dans la salle, j'encouragerais aussi des projets plutôt long terme. Alors, un projet qui continue d'un autre projet, d'un autre chercheur, un projet aussi, tu sais, des fois, une maîtrise, c'est 2 ans, c'est très, très, très rapide. On ne veut pas, tu sais, tout le temps de créer ces liens de confiance-là et après, tu sais, que ça finisse là. Alors, je pense que, en tout cas, l'idée de relationship building, de vraiment avoir des liens de confiance qui se créent, c'est ça que j'encouragerais. Est-ce que je peux y aller, Samia? Tu veux y aller, peut-être? Vas-y, vas-y. OK. Bien, je voulais juste rapidement, puis Shane, tu pourras rajouter peut-être. Tu sais, il y en a beaucoup, en tout cas nous, dans notre domaine, qui vont aller vraiment s'imprégner du milieu, créer des liens sur place, etc., et recruter des personnes comme ça. Moi, j'ai plus utilisé une méthode assez... je ne me suis pas nécessairement imprégnée du milieu ou quoi que ce soit. Des fois, les personnes ont vraiment une motivation intrinsèque d'améliorer leurs conditions, celles de leur père ou d'améliorer les services qui leur sont offerts ou ceux offerts à leur père, etc. Je pense que des fois, de juste comme les interpeller pour ça, mais le lien de confiance va certainement se bâtir si on réussit à faire quelque chose d'adapté à leur situation. Si jamais ils se sentent utilisés, si on ne les intègre pas de la bonne façon, je pense que c'est là qu'on ne va pas réussir à les intégrer réellement, puis c'est là qu'on va les perdre. Donc, tu sais, je pense qu'effectivement, il y en a qui ont peut-être l'enjeu de les recruter à la base, mais même si on réussit à les recruter comme dans les moyens traditionnels, il faut vraiment s'assurer que ça soit pérenne. Comme que ça soit à plus long terme, puis vraiment qu'on soit capable de vraiment les intégrer de la bonne façon pour pas qu'ils se sentent utilisés, sinon on va les perdre. De toute façon, il ne va pas avoir ce lien-là de créer, c'est sûr. Puis je rajouterais aussi que c'est tout là que réside l'art de la création de partenariats aussi, tu sais, dans les aptitudes interpersonnelles, puis aussi quand on bâtit des projets, de poser la question aux partenaires. Exemple, je travaille avec la Fondation Émergence d'un projet de recherche qui vise à regarder comment est-ce que la relève en ergothérapie, en réadaptation, y intègre les considérations sur la diversité sexuelle et de genre pour quand ils vont aller travailler auprès des aînés là, qui appartiennent à la communauté LGBTQ. Fait que ce projet-là est parti d'une collaboration avec un intervenant de la Fondation Émergence située à Montréal. Mais en posant des questions avec lui, j'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui est impliqué dans votre organisation et tout ça, qui pourrait être en fait un père, quelqu'un qui vit l'expertise, qui est un aîné LGBTQ, qui a vécu ou pas la stigmatisation, qui a vécu ou pas dans des résidences et tout ça, puis qui pourrait apporter justement ses connaissances expérientielles à notre projet de recherche. Des fois, simplement de poser la question, bien, moi, ça m'a permis finalement de recruter quelqu'un qui a eu une première greffe. En fait, c'est le premier patient au Canada qui a eu une greffe là, en ayant le VIH. Puis il est co-chercheur avec nous dans le projet de recherche. Puis c'est quelqu'un qui est même d'expérience. C'est pas son premier rodéo. Puis ça paraît. Donc, tu sais, aussi des fois, on peut tomber sur des patients partenaires qui ont énormément d'expérience. Fait que c'est pas toujours de building from scratch. T'sais. On peut aussi utiliser les ressources qui existent déjà dans la culture scientifique. Puis les gens qui ont bâti ces ressources-là, comme le disait Nadia tout à l'heure. Puis les mettre à profit pour le bien commun, finalement. Shane, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, tu sais, en étant patient partenaire, je voudrais dire aussi, si on ne m'avait pas approché, je n'aurais jamais rentré dans ce projet-là. Donc, je pense qu'il faut savoir que tu vas avoir des oui puis des non par des personnes que tu vas approcher. Mais même si tu as, mettons, 8 personnes sur 10 qui te disent non, tu as toujours la possibilité des 2 autres personnes qui sont intéressées à vouloir participer, à vouloir vraiment qu'il y ait un changement. Puis je pense des côtés facilitateurs, ça serait tout dépendant de la structure de l'organisme puis du type de personne que tu veux parce que les sujets sont à tonnes.
c'est de peut-être justement avoir un premier contact avec une personne qui a une bonne communication ou une bonne relation avec les personnes qu'on veut approcher. Puis des fois, juste d'être avec cette personne-là puis se faire présenter par cette personne-là donne un lien de confiance aux personnes que si, admettons, on t'a présenté, bon, ben tu dois être correct parce que sinon, l'organisme ne t'aurait jamais présenté. Donc, il doit avoir une raison pourquoi que tu es là. Et tu peux, tu sais, commencer par là, juste avoir une discussion avec les personnes intéressées. Parfait, merci. Je pense qu'il y avait une question aussi de Nathalie Ross. J'aurais aimé pouvoir poser une question. Je comprends que les personnes, les patients, les patientes qui sont en général recrutées, ce sont des personnes qui ont déjà comme décidé de prendre charge de leur propre réalité, de leurs problématiques et de leurs problèmes de santé. Ce qui ne nous aide pas à comprendre les autres, ceux qui ne le font pas, qui ne font pas cette démarche-là. Et comment on peut les amener, donc pour moi, ça serait des personnes en situation extrême de précarité, comment on peut aller chercher leur voix pour qu'on puisse davantage évaluer comment on peut aller rejoindre ces personnes-là pour que ce qu'on fait comme recherche va pouvoir effectivement avoir un impact plus majeur pour, comme Nadia parlait, d'assurer une meilleure, pour pas continuer à accentuer l'iniquité et les inégalités sociales. Je sais pas si c'est clair ma question. Ben pour moi, c'est clair. Je te dirais que financièrement, une contribution pour la participation est un bon début. Je dirais qu'on a eu des personnes comme que vous parlez dans un autre projet parce que je recrute des jeunes pour un volet de recherche dans mon emploi avec l'université. Puis je te dirais qu'il y en a beaucoup que s'il n'y avait pas de contribution financière, ils ne participeraient pas. Mais vu qu'il y a une contribution financière, quand même, je dirais raisonnable, de 20 $ à peu près de l'heure, là, ils ont le goût de nous donner leur opinion, leur point de vue pour de l'argent parce que, dans le fond, leur temps coûte de l'argent. Ils ne le feraient pas. Tu sais, c'est comme... c'est un bon pour un mal. Fait que si, mettons, tu leur donnes des sous, ils veulent le faire, ben tu as quand même leur opinion puis ça peut se poursuivre par la suite avec un bon lien de confiance, les voir de temps en temps ici par là. Ils peuvent contribuer de d'autres manières, puis s'intéresser encore plus, puis peut-être qu'ils ne savaient pas au début qu'ils seraient intéressés à faire une telle démarche. Puis là, finalement, ils voient que, OK, on me respecte, on me donne des sous, c'est comme un travail, j'aime ça, puis finalement, bien, ils prennent goût. Effectivement, si je peux juste rajouter à la chaîne, c'est tantôt je parlais de la motivation intrinsèque, mais effectivement, la motivation extrinsèque des sous. Par contre, ça aussi encore, si on ne le fait pas bien et que les personnes se sentent utilisées, bien, des fois, ça va encore plus les emmener à ne pas participer à des recherches, d'où l'important de bien le faire. Puis je pense que votre question est très intéressante dans le sens que même moi, je me la pose. Et justement, j'ai décidé de rajouter un petit volet un peu exploratoire dans mon postdoc pour voir comme c'est quel type. T'sais, je pense qu'il y a différentes façons d'intégrer. Donc, comment qu'on peut les valoriser leur voix? Est-ce que c'est de recueillir des témoignages? Est-ce qu'ils soient représentés par quelqu'un d'autre? T'sais, comment on peut? Je pense que c'est eux qui ont la meilleure réponse. Mais effectivement, il y a cet enjeu-là à réfléchir là, encore beaucoup, je pense. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient poser leurs questions? Sinon, on peut passer au petit mot de la fin. Donc, je ne sais pas si vous aviez chacun un résumé ou un message clé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de la séance d'aujourd'hui?
Shane, est-ce que tu veux commencer? Ben, comme mot de la fin, je pense que vous l'avez pas mal tout dit tantôt. C'est sûr, il y a une petite manière d'intégrer des patients partenaires. Je pense qu'il faut tenir compte un petit peu une bible de le faire, mais de ne pas avoir peur, admettons, de sortir de cette petite bible, d'être flexible, d'être innovateur, d'être créatif dans la manière qu'on recrute des personnes. Parce que chaque personne est différente. Ce n'est pas toujours les mêmes approches qui vont attirer n'importe qui dans une recherche. Donc, je dirais d'être créatif. Peux-tu y aller? Oui. Moi, mon mot de la fin, ce serait de faire confiance au processus. Le processus, c'est sûr que ça rajoute de la complexité, le temps de former, de recruter, de trouver, d'accompagner, trouver les fonds et tout. Mais au final, même si le processus prend plus de temps également, mieux vaut prendre le temps de bien faire, d'avoir un produit au final qui répond aux réels besoins des gens, des collectivités ou des communautés ou des quartiers en ce qui me concerne, que de vouloir aller vite, de vouloir publier. Puis, finalement, d'avoir un produit de recherche qui va être peu ou pas employé ou qui ne reflètera pas, finalement, là, les besoins exprimés. Peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Je pense que je vous encouragerais aussi de prendre vos capacités de chercheur et de les appliquer ici aussi. Alors, c'est quoi votre problème de recherche? C'est qui est affecté dans la population? Et de prendre cette connaissance-là du problème de santé que vous essayez de redresser et assurer que vous avez une bonne représentation. Alors, tu sais, on a quand même des outils comme chercheurs pour penser, pour réfléchir, et je ne vois pas pourquoi que ça serait différent ici. Alors, je pense d'utiliser les pratiques qu'on connaît déjà pour aussi augmenter votre motivation de faire ça correctement. Parce que je pense que c'est ça, on le dit, c'est long, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, je pense que si on prend ce genre d'esprit critique, scientifique, ça peut nous aider à poursuivre nos travaux aussi. Et moi, ça rejoint un peu, en fait, ce que Nadia vient de dire aussi. Là. Je pense que moi, ce que je voudrais mettre de l'avant, c'est vraiment de se questionner. C'est qui, comment, pourquoi, c'est qui on veut intégrer, comment on peut bien le faire, puis pourquoi, pas perdre le focus de pourquoi on intègre la personne, là, je pense que c'est important pour rester motivé, mais aussi continuer à bien faire. Excellent, bien, sur ces belles paroles, merci à tout le monde d'être venu, puis merci à tous nos panélistes. C'était vraiment une conversation super intéressante. Puis ça, il y a vos courriels sur les diapos. Si jamais on a des questions précises, on peut vous rejoindre pour continuer la conversation avec vous. Okay, merci beaucoup. Puis bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci pour l'organisation. Bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Merci à tout le monde. Merci, Shane.